tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. On est allé à la pêche aux infos et l'équipe devrait évoluer en 4-5-1. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la possession. C'est plus facile de construire quand on est 5, totalement. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des milieux de terrain avoir plus de liberté pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions sur l'aile. Et c'est parti! C'est un bon mouvement. Marvo. Batocchio. Ce contre peut très bien aller au bout. Bien servi. La passe dans la profondeur. Brest qui essaye de construire. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Grand Cyr. Et ils essaient de repartir de derrière. Un très long ballon. Mendy peut faire mal s'il est servi. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Touche. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. La longue passe, il peut en profiter. Non, ça manque d'application. C'est écarté, bien fait. C'est joué dans la profondeur. Et la touche maintenant. L'ouverture lumineuse. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Lemoine. La passe en retrait vers son défenseur. Allez, on commence à s'ennuyer là. Ce match manque de but. Il allonge le jeu et il jaillit pour prendre ce ballon. Le centre est parti.
joue en profondeur. Qui peut avancer. Allez. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Saunier met ce ballon en retrait vers le gardien. Le long dégagement du gardien. Un but maintenant, ça serait pas mal. Un long ballon vers l'avant. Bien, la profondeur. C'est centré dans l'axe. Ça passera sur le côté. Il l'a vu. Bravo. Il écarte le jeu. Il cherche à le servir. C'était bien vu, dommage. Quelle passe. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Pas de but dans cette première période, mais ce match est de loin d'être terminé. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Allez, on est reparti. Lorient, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Grand Cyr. C'est bien fait, ça. Bravo. Le Moine. Marvaux qui choisit de jouer en retrait. C'est plutôt intelligent. Bien, un peu de répit. Et le ballon est sorti, touche. Et c'est donc un changement. Pour le gardien. À Tokyo. C'est joué long. Il ne laisse rien passer. Encore une interception. Marvo. C'est bien intercepté. Dans la profondeur, sur le côté. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. S'il le trouve, c'est pour lui, attention. Le Moine. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre.
Bravo. Le jeu repart vers la droite. Il cherche la profondeur. Il est bien placé. Un centre vers le second poteau. Bon service dans la profondeur. La bonne interception. Bravo. À droite. Il est passé. Il va au duel. Il peut choisir de centrer. Un centre. C'est repoussé. Lorient manque un peu d'inspiration là. Les joueurs font bien tourner le ballon, mais ils ne trouvent pas la faille. Il accélère et il déborde. Oh, un bon centre devant le but. C'est dégagé, loin devant. Dans la profondeur. C'est parti. Corner. Ce sera le premier corner du match. Oh, la tête. Oh, c'est un arrêt important, ça. Ah oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. L'ouverture sur le côté. Grand Cyr, il a de l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Énorme occasion. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Bonne course, côté droit. Là, il peut centrer. Il déclenche son centre. Il la repousse. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. C'est reparti, ça fait 1-0. Ils méritent de mener, mais ils vont devoir batailler dur pour conserver leur avance. Qui est le premier sur ce ballon? La défense est très solide. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Et un contact qui n'était pas régulier, Coucheron. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Il revient dans l'axe. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Et il est sanctionné. Carton jaune. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Bien joué, ça. C'est envoyé dans l'axe. Il tente de se dégager.
jouer là. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Oh, ça s'est joué à pas grand chose, ils auraient pu gagner, mais ils s'inclinent sur la plus petite des marges. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Je pense surtout qu'il va falloir corriger pas mal de choses d'ici le prochain match. Là, il va y avoir du boulot à l'entraînement. C'est la fin de notre après-midi football, on doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un bon.